Bonjour à tous, nouvelle édition du 10 sur 10 pour faire le tour de l'actu de la sécurité globale. Et on démarre ce JT avec la sécurité privée et un nouvel arrêté qui révolutionne ce secteur. Le 18 juillet est paru un arrêté relatif aux tenues vestimentaires des agents privés de sécurité. Cette nouvelle réglementation concernera les agents des services de sécurité, des bailleurs d'immeubles, les convoyeurs de fonds ainsi que les agents de la surveillance humaine et de gardiennage. Au niveau de l'identification, chacun d'entre eux devra posséder un numéro d'identification individuel de 7 chiffres, en noir, sur fond blanc ou inversement, situé en haut à gauche, à l'uniforme, au niveau de la poitrine. Ce numéro, également présent sur la carte d'identification professionnelle, est uniquement délivré par le directeur du CNAPS. L'insigne de l'entreprise devra obligatoirement respecter une taille au moins égale à un carré de 50 mm de côté et placé juste en dessous de ce numéro unique. Il est aussi précisé que tout agent mentionné à l'article 1er du présent arrêté ont par ailleurs, au dos de leur tenue, une inscription portant la mention « sécurité privée » sur une ligne en caractère majuscule rétrofléchissante de couleur blanche sur fond noir. Exception est faite pour les agents aéroportuaires dispensés de l'obligation d'afficher la mention « sécurité privée » au dos de leur uniforme étant donné leur uniforme spécial. Ces agents de sécurité devront uniquement faire apparaître leur numéro d'identification sur la poitrine. Résultat du dernier baromètre fiducial Odoxa sur l'activisme écologique. Oui, Séverine, il en ressort que s'ils comprennent les revendications des activistes, les Français rejettent en bloc leur méthode. Seules deux revendications des mouvements écologistes ne sont pas partagées par la majorité de la population. L'interdiction des méga-bassines d'abord, 40% partagent cette idée, mais 57% la rejettent. Les ruraux partagent encore moins cette revendication des écologistes, ils sont 70%. Et les Français ne partagent pas les moyens d'action des activistes écologistes. Et 73% d'entre eux estiment que les services de renseignement doivent pouvoir utiliser les mêmes moyens que ceux de l'antiterrorisme. Face à des infrastructures qu'ils considèrent comme mal protégées à 55%, les Français jugent que de nombreuses solutions seraient efficaces, dont celle d'avoir recours à la sécurité privée. La présence permanente d'agents de sécurité est plébiscitée par 89% de la population, plus 9 points depuis 2019. L'utilisation de caméras de surveillance à 84% et de drones à 79% sont également considérés comme efficaces. A3P, agent de protection physique des personnes. FEDESFI, Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire. RIA, robinet, incendie armé. Que d'acronymes dans la sécurité privée, Séverine. Oui, et donc le groupement des entreprises de sécurité a mis en place un glossaire dans le but de permettre de reconnaître les acronymes. En bas de chaque section d'une lettre, un lien, proposer votre acronyme, permet de suggérer ou de corriger un acronyme par le biais d'un formulaire. Le GES validera préalablement les nouvelles mises en ligne. Un formulaire est également mis à disposition afin de pouvoir proposer un nouvel acronyme. Il est également possible de se retrouver chaque acronyme de l'écosystème de la sécurité privée par ordre alphabétique. Un guide sur l'insertion vers la sécurité privée. Oui, face aux tensions de recrutement qui touchent le secteur de la sécurité privée, en particulier en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la région Île-de-France a édité un guide pour faciliter la transition des personnes en insertion vers les métiers de la sécurité. Il est destiné aux professionnels de l'accompagnement social et professionnel avec, pour principaux objectifs, aborder les idées reçues autour de ces métiers, y apporter des réponses, faciliter l'orientation vers des métiers en tension et pourvoyeurs d'emplois durables, en apportant des éclairages sur ces métiers et les différentes étapes pour y accéder. Inspirer les SIAE au travers d'exemples de parcours d'insertion innovants développés dans le secteur. Ce livret de 24 pages illustre les grandes étapes et prérequis nécessaires à leur exercice et met en avant des parcours de formation innovants mis en place par des structures d'insertion par l'activité économique. Passons maintenant au rapport d'information sur les retombées des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Dans le cadre du rapport d'information déposé par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, en conclusion des travaux de la mission d'information sur les retombées des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les députés et co-rapporteurs Stéphane Mazard et Stéphane Peu ont listé plusieurs recommandations. Pour la sécurité privée, ils préconisent de
réorganiser et renforcer les parcours de formation des agents de sécurité privée, accroître les actions de communication sur les besoins de recrutement d'agents de sécurité privée dans l'optique des Jeux, renforcer la coordination entre le COJOP et la filière de la sécurité privée, impliquer davantage l'État et renforcer son contrôle de l'organisation de l'événement en matière de sécurité en mettant en place une véritable coordination de l'ensemble des ministères. Parlons maintenant d'un appel à tous les professionnels de l'industrie de la sécurité physique. Depuis le 21 août et jusqu'au 15 septembre, Génétech propose de participer à une enquête sur l'état de l'industrie de la sécurité physique pour contribuer à dresser les tendances, relever les défis et identifier les opportunités. Les professionnels de l'industrie de la sécurité physique peuvent donc participer à ce sondage annuel de Génétech pour contribuer à rédiger son rapport sur l'état de la sécurité physique de cette année. En 10 minutes, vous pourrez ainsi partager votre point de vue, recevoir en avant-première ce rapport sur l'état de la sécurité physique en 2023, qui vous donnera accès à des données précieuses pour évaluer vos solutions et prendre des décisions en corrélation avec les tendances. Et vous pourrez tenter de remporter une des 10 cartes cadeaux Amazon d'une valeur de 100 euros. C'est sur cette adresse www.genetech.com/sondage-agora-2023. On va parler de sécurité publique maintenant avec l'ANSSI et le NCSC au chevet des cabinets d'avocats pour les cyberattaques. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et le National Cyber Security, centre britannique, ont publié des rapports sur l'état de la menace informatique contre les cabinets d'avocats afin de prévenir des risques importants qu'encourent les cabinets d'avocats face aux cyberattaques en raison de la numérisation croissante de la profession et des procédures judiciaires. Le principal problème des cabinets qui détiennent de nombreuses données sensibles, c'est qu'ils ne possèdent pas tous de responsables sécurité. L'ANSSI détaille que la majorité des avocats qui pratiquent en petites structures ne disposent pas de responsables de la sécurité, des systèmes d'information et ne sont pas assez sensibilisés à cette menace. De son côté, le NCSC explique que la pandémie de Covid-19 a augmenté les risques en ligne, les informations sensibles et les sommes d'argent que les cabinets manipulent souvent, pouvant en faire des cibles particulièrement attrayantes pour les attaquants. 40 cabinets d'avocats ont été audités, 30 parmi eux ont été la cible d'une cyberattaque et 10 ont vu leurs clients visés. Le RAID assisté par des caméras. Le RAID qui cherchait une solution intuitive et simple à déployer, eh bien c'est Axis Communication, en partenariat avec ERIMA, expert de solutions de sûreté, qui a équipé de caméras leur zone d'entraînement pour analyser en temps réel les mises en situation. L'utilisation des caméras FishEye 360 degrés à haute résolution permet aux opérateurs de monitorer la progression de la colonne du RAID lors de l'intervention, d'analyser les comportements de chaque agent et de déterminer ce qui a fonctionné ou non. En parallèle, à l'aide d'Axis Camera Station, les opérateurs visionnent en direct l'intervention et échangent minutieusement sur chacune des actions réalisées lors du débriefing. L'utilisation de l'audio permet d'aller encore plus loin en analysant les échanges entre chaque agent afin de déterminer s'il y a une bonne cohésion au sein des équipes et si les demandes faites pendant l'intervention sont bien appliquées. Passons maintenant au chapitre départ et nomination. Michael Sibillo quitte le GPS GIE. L'ancien chef du bureau des collectivités locales, sous-directeur en charge des finances, directeur de cabinet et du préfet, puis dernièrement directeur général chez GPIS GIE depuis 2020, a fait ses adieux au groupement parisien interbailleur de surveillance début août. Il est nommé préfet délégué pour l'égalité des chances auprès de préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité sud, préfet de Bouches-du-Rhône au 21 août 2023. En l'espace de 3 ans, Michael Sibillo a œuvré sur la modernisation et le développement du groupement au service des locataires du parc social, des membres du groupement et de leurs équipes opérationnelles. Ces actions auront permis au GPIS, GIE, d'étendre sa surveillance à 160 000 logements contre 75 000 en seulement 3 ans. Marc Boget, nommé directeur de la stratégie numérique et technologique de la gendarmerie nationale. Oui, le général de division, commandant de la gendarmerie dans le cyberespace depuis 2 ans, a été nommé chargé de mission auprès du directeur général de la gendarmerie nationale le 1er août. Il occupe à présent la fonction de directeur de la stratégie digitale et technologique de la gendarmerie nationale. Le général qui a désormais pour mission de superviser tous les sujets digitaux et technologiques de la gendarmerie.
Il éclairera son supérieur sur les nouveautés technologiques, renforcera les liens avec le monde universitaire, la recherche et les industriels. Et c'est donc logiquement son second, le général Christophe Husson, qui le remplace à la tête du COM Cyber Jeune. Thierry Moseman est, lui, le nouveau coordinateur national pour la sécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. L'ancien préfet du Calvados a été nommé le 11 août dernier. Il remplace le préfet Ziad Khoury, suspendu de ses fonctions à titre conservatoire en avril 2023. Énarque Thierry Moseman a notamment été sous-directeur de l'organisation et du fonctionnement des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, préfet de l'Aube, des Côtes-d'Armor et donc depuis avril 2022, préfet du Calvados. Du changement aussi pour Olivier Demazière. Oui, l'administrateur de l'État du grade transitoire est nommé haut fonctionnaire de défense adjoint, chef du service du haut fonctionnaire de défense. À son ancien poste, eh bien, il est remplacé par Julie Mercier, qui a été nommée directrice d'administration centrale de la direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes, rattaché au secrétariat général. Passons maintenant à l'événementiel. Axis lance un nouveau concept d'événement réunissant l'ensemble de l'écosystème sûreté-sécurité. Intitulé Open, ces événements permettent de se connecter avec des leaders du marché de la sûreté-sécurité et d'ailleurs de découvrir les dernières tendances technologiques et de cas d'usage innovants. Premier rendez-vous mardi 17 octobre de 8h30 à 17h au Palais des Congrès, Paris-Saclay. En partenariat avec Genetech et Milestone, Open met en lumière la façon dont la technologie stimule l'innovation en matière de sécurité, de sûreté et d'efficacité opérationnelle. Cette journée sera également l'occasion pour les intégrateurs de systèmes, distributeurs, bureaux d'études et clients utilisateurs de se rencontrer et de s'informer sur les sujets brûlants que sont l'IA, le développement durable, la cybersécurité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement. On termine avec notre livre du mois, une bande dessinée cette fois-ci, retraçant l'histoire du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Oui, Séverine, ça s'appelle GIGN 1973-1976, de la naissance du groupe à la mission Djibouti. Une BD de Poma, ancien inspecteur principal de police, devenu magistrat, illustrateur autodidacte dans cette BD, il s'est attelé avec souci du détail à retranscrire les débuts du groupe et leur première mission. Un ouvrage supervisé par Christian Proutot, fondateur du GIGN, et qui sera bientôt notre invité dans Security Book pour nous parler de cette BD. Ça coûte 19 euros, c'est disponible dès le 21 septembre et c'est aux éditions Guy Trédaniel, éditeur. Voilà, merci à notre journaliste Baptiste Vinas à la préparation de ce JT. Merci à vous, bien évidemment, de nous avoir suivis et de votre fidélité. Toutes nos émissions et reportages sont à découvrir sur Agnew Sécurité. Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter sur le site pour recevoir l'info de la sécurité du lundi au vendredi. Et bien évidemment, vos dossiers de presse sont à envoyer sur cette adresse qui s'affiche sur votre écran. Voilà, rendez-vous le mois prochain pour un nouveau 10 sur 10. En attendant, prenez soin de vous. Ciao Séverine. Au revoir Alexandre.